Un auteur, il sait exactement lorsqu'il doit faire référence à ses pairs au travers de ses films et lorsqu'il doit se créer une identité propre au travers de ses références. Le réalisateur dont nous allons parler cette semaine est l'exemple même d'une digestion savamment menée de références pour donner lieu à des œuvres à l'identité propre. Dites donc, tu vas quand même pas parler d'Edgar Wright sans moi, quand même. Edgar Wright est un cinéaste anglais qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 20 ans. Débutant à la télévision, il y fera la rencontre de sa vie, celle de deux acteurs de génie qui mériteraient leur émission à eux seuls et qui permettront à Wright, par la suite, de créer un vaste univers et d'offrir un vrai renouveau à la comédie anglaise. Les films de Wright sont souvent des œuvres décalées, des films qui regardent le monde avec beaucoup de drôlerie, mais un décalage qui provient toujours du genre que Wright décide d'aborder. Le décalage vient également des situations, car Wright sait créer des personnages qui ne s'imbriquent pas dans le monde qui les entoure. Il en fait des marginaux qui vont devenir touchants et héroïques. Ces films, Wright les place toujours dans des mondes réalistes, et il fait intervenir un aspect décalé au fil de l'avancée du récit ou par le biais d'un élément dramatique qui permet aux personnages de commencer leur voyage. Les protagonistes de Wright sont avant tout des faibles ou des marginaux, des personnes qui sont rejetées par leurs entourages, mais qui aux yeux du spectateur sont sincères et apportent quelque chose d'humain par leur singularité. Car oui, avant d'être des films avec un protagoniste, les films de Wright racontent souvent la même histoire, celle d'une bande de potes qui va devoir faire face à un challenge qui remettra leur amitié en cause. En abordant ce sujet, Wright aborde l'idée que l'on survit grâce à notre entourage, grâce aux personnes qui nous supportent et qui nous permettent d'avancer. Ses potes, Wright les peint toujours avec tendresse, puisqu'il écrit ses films avec ses potes. Cela se ressent donc à l'écran, par un amour certain de Wright pour la création de personnages touchants, souvent émouvants, toujours drôles et de plus toujours attachés à l'humanité. En écrivant avec ses amis, Wright prend alors donc son protagoniste comme un maillon d'un groupe, qui ne demande qu'à s'entraider pour avancer et apprendre chacun à se dépasser. Wright est également un cinéaste qui comprend le cinéma dans son essence la plus pure, car livrer des comédies comme il le fait, cela relève de l'art, tant il comprend l'essence même du pastiche, bien au-delà de simplement livrer des parodies. Ses films sont souvent ultra référencés, à la pop culture, au cinéma classique ou même au fondement d'un genre. Mais il dispose quand même d'une identité propre, comme on l'évoquait un peu plus tôt. L'humour fait partie intégrante du cinéma de Wright, et même lorsqu'il est seulement à l'écriture, Wright en fait sa patte identitaire, soit un humour omniprésent dans les personnages et les situations. Car là est la plus grande force de Wright, c'est de rendre son humour universel, parfaitement maîtrisé, magnifiquement simple et toujours rempli d'un humanisme profond. Car oui, Wright n'est pas seulement un humoriste ou un réalisateur comique, c'est avant tout un homme. Et donc, les portraits d'hommes qu'il nous dépeint sont souvent remplis de poésie et d'une sorte de camaraderie immersive. Les personnages de Wright sont faibles, souvent maladroits et même parfois brisés. Mais toujours, ils trouveront une rédemption dans leurs aventures, notamment au travers d'un apport amical promis par des retrouvailles ou des rencontres, toujours au cœur de ses films. Les héros de Wright sont des représentations subtiles et élégantes de nos facilités ou de nos bêtises les plus propres, mais sans jamais les prendre de manière négative. Wright sait en faire les plus belles choses de l'humanité. Jamais il ne regarde ses personnages avec mépris, mais toujours avec émotion et avec tendresse, transformant leurs aventures en métamorphoses. Entrer dans l'œuvre de Wright, c'est comprendre le monde, c'est comprendre ce que nous sommes de la manière la plus belle qui soit, de manière décalée, avec humour, avec tendresse et avec justesse. Éternel adolescent se complaisant dans le fantasme immature de la réalité cinématographique, son humour potache et ses œuvres esthétiques démontrent bien une envie de faire du cinéma pour le plaisir, à la manière d'une sorte d'adolescent du cinéma précoce.